Ça va être la chasse pour enlever des gros morceaux de pierre. Ensuite, on va avoir le ciseau pour faire, pour protéger les arêtes, pour faire les ciselures et les choses un peu fines. Et la finition et le dégrossi, ça va, on va pouvoir utiliser une pointe. Il y a des réalisations que tu fais quasiment à la main. Non. C'est soit on utilise les outils à main, soit on utilise le pneumatique, mais en atelier, de toute façon. Le travail à la main est très agréable parce qu'il est, il est beaucoup moins contraignant au niveau justement des flexibles, du bruit, de la poussière, etc. Mais au niveau du temps de travail, celui-là est beaucoup plus rentable en fait.